Bonjour les amis, nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo d'un château très particulier. Ce château renferme dans ses murs une histoire abominable, sanglante. Je ne trouverai pas les mots pour justifier ce qu'il s'est passé dans ses murs. Lors de notre repérage de jour, nous avons fait connaissance avec une personne qui nous ont expliqué ce tragique événement. Maintenant, les amis, place à ce témoignage assez dur à entendre. Merci à vous et bon visionnage. Vas-y. Voilà. Donc, le dernier propriétaire de ce château était Mark Powells. Le vieux propriétaire avait une longue vie passée d'escroc judiciaire. Il avait des problèmes financiers, il utilisait des faux chèques. Donc, bref, que des escroqueries pour faire ses magouilles. Et à la fin de sa vie, dans les zones de 70 ans, il a acheté ce grand château auquel il a invité plusieurs sans-abri. Sans personne, pas de famille, personne qui s'inquiéterait d'eux s'ils disparaissent une semaine ni rien. Il les a invités chez eux et il les a placés comme un bâtiment pour leur trouver une seconde vie, pour qu'ils aillent mieux, qu'ils avancent dans leur vie. Mais à partir d'un certain moment, Marc a été très menaçant en faisant croire qu'il y a des gens qui allaient les tuer. Du coup, il les a tous enfermés dans cette cave très sombre, sans lumière, auquel il les a fait passer des jours et des jours. Au début, il les nourrissait normalement. Ils ne s'inquiétaient pas, ils pensaient que Mark Bowles les protégeait. Mais au final, il s'avère que il les nourrissait de moins en mieux, jour après jour. Au final, ça a été une fois par jour, du pain et de l'eau. Mais sans toilette ni rien ici, c'était dégoûtant. Que des déchets humains, franchement, des déjections humaines partout dans le sol, qui jouchaient le sol. Pas de lumière, vraiment une vie animale. Mais il s'attendait à toujours une lueur d'esprit quand il le voyait apporter de l'eau et du pain. Au final, d'une invocation divine, je ne sais pas, Mark Paul s'est mort dans son lit d'une crise cardiaque et les a laissés mourir ici, jour après jour. Il y a eu des actes de cannibalisme, malheureusement. Et quand il y a eu le feu dans le jardin, des pompiers ont ouvert ici, vu l'odeur nauséabonde. Et sous crise de vomissements et de déclarations, on a découvert des déchets, des corps, des cadavres décomposés. Vraiment, c'était pas beau. Eh ben ça va. Ça se passait dans calme. Ça se passait dans calme, désolé, j'ai un peu bugué pour quelques mois. Quelle décennie, quelle année ça... Non, je sais que j'ai pas vu les décennies à aucune date justement pour protéger. Je suis pas sûr qu'en fait Mark Paul soit son vrai nom. Mais je sais qu'il est mort dans sa zone de 70 ans, crise cardiaque. Le légiste a dit que c'était une crise cardiaque, mais ce qu'ont découvert les pompiers dans la zone des caves était insalubre, franchement, des déjections humaines, des cadavres partout. Et franchement, j'aurais pas du tout aimé être à leur place. Moi non plus. Pour se nourrir, à un moment, je suis sûr qu'il y a eu des actes de cannibalisme. Voilà. Eh ben, je te remercie pour ton témoignage. Mais de rien, ça me fait plaisir. Et alors Je soutiens, ça m'intéresse. Je vais comme vous, je me balade, donc ça m'intéresse. Ah ben oui, c'est sûr. Et ben voilà, pour une petite vidéo, Urbex, on va visiter un château. On l'appelle le château Bambu, le château rouge. Vous ne verrez pas ma tête, parce que je n'ai vraiment pris que la caméra. On va d'abord aller visiter une petite chapelle, et je vous prends après. A tout de suite. Juste avant notre repérage de jour, nous avons pu visiter cette belle petite chapelle, en mode restauration. Nous avons eu l'honneur d'entendre son histoire. Vous avez le château. Vous voyez le château. Alors, on ira le visiter après. Aller visiter la petite chapelle. Ouais.
Petite chapelle. Intéresse aussi, demain il y a un rendez-vous avec Joseph Sauveteur, des pèlerins, il y a un pique-nique qui se fait ici demain midi. Ah oui, ah. Si ça vous intéresse. Du jour, oui. Non, mais oui, on va un peu voir ça, c'est pas de problème. Merci de le dire. En fait, vous vous trouvez sur un site qui a été occupé par une abbaye. L'abbaye des Neuf Moustiers qui se trouve à Huy. Donc dès 1179, ils sont arrivés ici. Ils ont récupéré l'église de Gé, qui se trouvait ici. Et ils ont décidé d'ériger plusieurs bâtiments, dont un espèce de manoir, aujourd'hui disparu, certaines dépendances, et cette chapelle, qu'ils ont réérigée pour installer le pèlerinage, pour avoir beaucoup plus d'autorité et d'argent qui reviendra à l'abbaye. Avec le temps, l'abbaye n'a fait que s'agrandir. On y a compté de plus en plus de bâtiments et une ferme qui s'est agrandie de l'autre côté de la rue. Ensuite, on a un abbé assez connu de l'abbaye qui est arrivé. Il s'appelle l'abbé Ponty de Pontillas, qui est arrivé et a commencé à restaurer tout le site. Il a restauré l'intérieur de la chapelle, il a fait construire la ferme, une partie qui est là, même s'il y a certaines bases qui sont plus anciennes. Ensuite, le site a été un peu laissé à l'abandon. On sait qu'il y a quelques marques de pèlerinage qui sont toujours là, dont certaines médailles retrouvées dans la chapelle. Par exemple, le curé de Stray, qui dès 1704 a essayé de récupérer un peu le pèlerinage ici. Ensuite, le site a été racheté par un avocat qui a retransformé un peu le site. Et ensuite, c'est la famille de Lattre qui va faire reconstruire la bâtisse actuelle, le Château Rouge, connu aussi Château Borby et Château Uranium. Ensuite, malheureusement, l'ancien château va complètement disparaître malgré quelques pièces qui ont été gardées, comme la grande cheminée, malheureusement aujourd'hui disparue parce qu'on est allé la voler. Une fresque qui est beaucoup plus récente, qui date de 1943, qui a été peinte par Michel Genot. Une peinture vraiment assez, assez réaliste, qui montre vraiment le paysage d'époque. Le château a été construit vers 1889, et 1890, la famille y a vécu. Donc ça a été une construction très très rapide, pour une famille dont on remarquait bien le style d'architecture, qui représentait bien la bourgeoisie d'époque. Dans le fond des bois, on a une source, dit Saint-Loup, qui à l'époque était bien connu pour sa consistance assez bénéfique. Par exemple, elle pouvait soigner les gens qui étaient atteints de boulimie ou de lupus, des maladies parfois qui dévoraient un peu de l'intérieur, qui vraiment attaquaient la peau, des choses comme ça. Les dépendances sont dans un état très catastrophique parce que la grosse partie s'est effondrée. Le château malheureusement est démonté illégalement et la ville de Huy ne semble pas intéressée. Malgré plusieurs interpellations, dont le SPW et la Fédération des archéologues de Wallonie. Mais heureusement, l'ASBL Arezno, qui a défendu le château de Noisy, a réussi à nous aider, à nous prêter main forte et à nous encourager. Ah ouais. Eh ben ça va. Ben merci de nous avoir expliqué en gros l'histoire de ce lieu. Et alors, ben on va aller visiter un petit peu les alentours. Vous pouvez descendre à la source où là c'est accessible légalement par les actes que le propriétaire a signé. Ça va. Je vous remercie.
but, c'est genre. Bah ouais. Et ben voilà. Le château Bambi. Eh bien voilà les amis, nous voilà près du château, malheureusement qui va être bientôt démoli par le propriétaire. C'est dommage, c'est très très dommage, car c'est quand même une belle bâtisse. On va aller par devant. On ira visiter l'arrière après. Apparemment, il y a beaucoup de pièces qui s'effondraient. On verra ce qu'on peut visiter. Et ben, c'est parti. Château. C'est malheureux parce que de nuit ça doit être magnifique, ça doit être super blanc. Vous voyez, c'est un truc d'airsoft. Il vient de faire de l'airsoft. J'ai mon K2 avec moi. Je regarderai pour m'en servir. Tout près il y a une ferme, donc on va essayer de se faire quand même assez discret. Donc voilà l'entrée. Il y a une entrée là, et j'ai vu une entrée ici, et alors là au-dessus. On ira voir ce qu'on sait aller visiter. Et si le château est toujours d'actualité ou quoi, possible de venir y faire une enquête de nuit, en espérant que ce château sera toujours debout. Vous voyez, il y a encore un autre bâtiment. L'entrée, on va aller voir s'il y a moyen d'aller visiter quand même une petite pièce. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose.
va aller voir si on s'est rentré dans la pièce. Bonjour. Aller par là. Il y a un escalier. On va aller jeter un petit coup d'œil par ici. Des douches. Des WC. Apparemment, ils font de l'airsoft. C'est dangereux. Tu peux pas s'effondrer. On va vite faire un petit tour. Salle de bain. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un étage. Et quand je vois l'état des plafonds, ça donne pas trop envie d'y aller. Sortir par ici. Encore une autre pièce. En fait, ici, ils font de l'airsoft. Il y a plein de petites billes partout. Vous voyez, allez faire un petit tour par là. Il y a des trous de partout. Vous voyez, il y a des trous, c'est un vrai labyrinthe.
encore des douches, baignoire, WC. Pour se reposer. Et bien sûr, le château qui se trouve devant nous. Peut-être monter à l'étage après. À l'étage après. Je vais vous montrer derrière. Vous voyez, vous avez sûrement les caves. Ce sont ces caves où s'est passée cette tragédie. Essayez de rentrer. Voilà l'entrée. Là-bas, il y a beaucoup, il y a un escalier et tout, monte à l'étage. Ah, ici aussi, là. Vous voyez, tous les détritus, ça s'est effondré. Passage interdit. Vous voyez, escalier pour monter à l'étage. Il est vraiment dans un état lamentable. Vous voyez le trou là? Regardez, vous voyez, la cheminée que l'on me parlait, voilà ce qu'il en reste. Il n'en reste plus rien du tout. T'as vu la cheminée que l'on me parlait? Il n'y en a plus. Enfin, du moins, il ne reste plus grand chose. On va aller voir un petit peu plus loin. Thank you.
toilette. Et ça, c'est la cave. T'as vu, il y a même la cave. Il y a la cave. C'est le monument au bas, à l'extérieur. Ah oui. Je suis plus par là. Ah d'accord. Là, on est à l'extérieur, vous voyez. Il n'y a même plus de toit ici. Il n'y a plus rien. Petite pièce. C'est quand même malheureux de laisser une bâtisse comme ça à l'abandon, que personne ne veut rien faire, et voilà, tout compte fait, ben, tout va être démoli. Voilà, ils n'ont pas d'argent pour rénover des bâtiments comme ça. Mais pour autre chose, pour des conneries, ils en ont. Ça ici, c'était la cuisine. Il reste encore, je suppose que c'est où ils faisaient la soupe ou voilà. Voilà. Pour le peu qu'on a encore de vieux bâtiments, ben, tout reste à l'abandon. Ben, personne ne fait rien, quoi. Voilà, c'est honteux. C'est honteux. On va monter à l'étage. Oui. Escalier tournant, oui. On ira voir ça après. Wow. Non, là, je ne monte pas plus haut. Je redescends. Je ne tiens pas. Tu es. Ben oui. Attention, la marche là, elle est cassée. Oui, oui, oui. Vous aurez les photos du dessus. Vous voyez? Dans un sale état. C'est belle. Oui. C'est magnifique. Vous voyez le trou là? C'est vraiment pourri, quoi. Plus que moi, je n'ai pas la taille mannequin, donc je voudrais pas passer outre. Il y a même un miroir au plafond. Un trou.
un fauteuil. Voilà. Voilà. C'est vrai que faudrait rénover un lieu comme ça. À mon avis, faudrait abattre une grosse partie pour pouvoir réparer ça. Il n'y a pas photo. Mais enfin, bon. Dépenser des sous pour des choses inutiles et laisser à l'abandon un endroit comme ça. Voilà quoi. Mais je coupe, je vous reprendrai après. Allez, les amis, je vous reprends. On va monter ici pour voir si on n'a pas accès à l'étage du dessus. Normalement, oui. Parce que l'autre côté, il est fort abîmé. Ah, ben oui, tiens, voilà. En fait, on arrive à l'étage qui est fort abîmé. On va remonter par ici. Voilà. Oh, planche. Chambre 19 à 20. Magnifique. Enfin, magnifique. C'était un endroit magnifique. Vous voyez les trous? Et là? C'est inaccessible. C'est pas possible, apparemment. Ce n'est pas possible. On va faire demi-tour. Vous voyez? Vu du dessous. Du dessus, excusez-moi. Voilà. Et bon, on va revenir sur ces pas. Vous voyez ici, je n'aurais pas monté plus haut. Il y a... Je suppose que c'est une armoire. En plein milieu du jeu qui. Donc ben, voilà. Je ne sais faire que redescendre. On va descendre. Là, dans cette partie, on est allé voir. Il y a pas cette partie là. Cette partie là, mais vous l'aurez en photo. Parce que quand vous voyez l'état des plafonds, voilà, c'est pas évident. On va redescendre. Par là, j'y suis allé. Ces caves seront d'ailleurs notre future enquête de nuit. Soyez attentifs et regardez la superficie de ces caves, c'est immense. À ce moment-là, nous n'étions pas encore au courant de cette tragédie. Nous avons eu ces renseignements
après. Voilà. Chaudière. Ancienne chaudière. Enfin, du moins ce qu'il en reste. Zone 4. Voilà. Du charbon. Cuve à mazout. Il pleut. Et oui les amis, qu'est-ce que voulez-vous? On est en Belgique ici. On est en Belgique. Et on va faire un petit peu de publicité. Sneakers. Voilà. C'était sous une remise pour stocker les aliments des anciennes factures. Peut-être un bureau, je sais pas. Alors, ici, un couloir. Qui donne sur une autre pièce. Je sais pas ce que ça pourrait être. Il y a du crépi au mur. On se croirait. À mon avis, ici c'était un club d'airsoft. Hein, ça fout le toit là. C'était souvent un club d'airsoft. Parce que arrangé comme c'est arrangé ici, ça ne pourrait être que ça. Un espace de rangement. Ici en fait on était de l'autre côté. Voilà. Congélateur. Malheureux parce que
de nuit, ici, il y a moyen de faire une belle petite enquête. L'escalier qui remonte à l'étage. Maintenant, on se retrouve à l'extérieur. Donc, on a fait en fait tout le dessous. Ça sent bon. Je sais pas si vous avez déjà senti, après une petite averse, quand vous êtes dans la nature, ça sent vraiment, vraiment bon. Vous voyez le bâtiment, le derrière. Et il recommence à pleuvoir. On va vite aller se mettre à l'abri. Pas tellement pour moi, mais pour la caméra. Voilà. Il commence à pleuvoir. Et il y a un jacuzzi. C'était les douches, sûrement. Sûrement des douches. Ouais, c'était sûrement. C'était pas sûrement, c'était un club d'airsoft. Et voilà, ici on reprend par les caves. Donc on a déjà fait ici. On est arrivé de là et on est allé là-bas. On a continué par là. Donc on a fait toutes les caves. Il faut que ça se calme un petit peu. Alors on va retourner par les caves. Et c'est parti. Ben voilà. C'est pas tout. Hein? Oui, ben, je suis allé dans toutes les caves. Ah. T'as fait tout, toutes les caves? T'as été partout? Par là? Oh, c'est grand. Hein. C'est grand. C'est... Ah ouais, moi, c'est trop dangereux, par là, j'y vais pas. C'est hyper dangereux, mais trop partout. T'as pas été à l'escalier qui tourne? Si, oui. Ouais, et à un moment, tu sais plus monter, il y a un truc qui est tombé, ouais. Ben, si jamais ou quoi, je t'attends ici? Ah. Et ben voilà. De quoi dit? Ben, peut-être aller voir les autres bâtiments après, si tu veux, si jamais ça se calme un petit peu. Voilà. Voilà. La Belgique. Donc on va les faire quand ça sera un petit peu calme. Le dessus de ce bâtiment là, et après on ira faire l'autre là-bas, et après ben voilà, je vous reprendrai après quand ce sera un petit peu plus calme. Voilà.
On va faire la suite des bâtiments à l'extérieur, l'étage. Tu t'assois un peu? Ouais, T'as vu, il y avait un truc de grenade là, c'est marqué grenade. J'ai photographié. Ah ouais, c'est mon grenade. J'ai photographié un fauteuil là dans le château. Oui? Ouais. En bon état? Ouais. Pourquoi en bon état? Il faut qu'on s'asseoir dedans. Mais... Ouais. Bon. Oui, il y a plein de petites billes. Hein. Ouais. Ça. Bah, chouette. Il y a trois stachés et tout ça. Et... Bon, ça va, en plus c'est pas dangereux. Non, oui, c'est lourd, c'est du bateau. Hein. C'est pas dangereux. Là, ça donne vers l'extérieur. Château. Un lit, un vieux lit. Voilà, l'étage du premier bâtiment. Maintenant, on va aller voir l'étage du deuxième bâtiment. Et après, ben, je pense que on en aura fini. On a vu un petit groupe de jeunes qui nous a expliqué, j'irai voir sur internet, l'histoire de ce château. Apparemment, il y aurait eu une trentaine de morts, plus de 30 morts. Ascenseur, les cages d'ascenseur. Voilà l'ascenseur. Voilà l'ascenseur. Ouais. Voilà. L'extérieur. C'est quand même grand, hein? Voilà. Un gros truc. Ah, t'as même une baignoire en plein air. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà la vue de l'extérieur. C'est sûrement des chevaux là-dedans. Ouais, on a
vu, il y avait des chevaux là. Ouais. Le box. Voilà. Apparemment, ici, ça n'a pas été achevé. Voilà, ça a été inachevé. Le bâtiment n'a pas été achevé. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de zoomer sur le château. Voilà. Au-dessus du château. Eh ben, je vous reprendrai au deuxième étage du dernier bâtiment. Après, ben, je pense que on aura tout vu. Hein. À tout de suite. Et voilà les amis, je pensais qu'il y avait un deuxième bâtiment. Mais apparemment, c'était un bâtiment en U. Donc on a fait tous les bâtiments à l'extérieur. Ici, j'en profite pour vous montrer l'entièreté du château qu'on appelle Rouge, du château qu'on appelle le château Bambi. Donc j'en profite pour vous montrer ce magnifique château qui malheureusement va bientôt disparaître. Voilà les amis, voilà, ben je pense que on a tout fait. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao ciao.